Et donc salut à tous, c'est pour 38 pour ce nouvel épisode du Kit Budding de Fallout New Vegas 2023. Donc bonne année à tous. Donc on va se reprendre là où ça a été arrêté, donc ça veut dire ici, troisième fois que je refais cette vidéo. Donc, on commence par Fallout 3 Weapon Iron Sight Mode Resource V1.3. Donc là, on prend les deux fichiers principaux. Donc Main 1.3 et Repeater Rifle and Lincoln Repeater. Puis on passe à Fallout 3 Weapon Restoration. Donc on prend Fallout 3 Weapon Restoration et c'est tout. Puis on passe à Cloud Grenades. Donc là, il n'y a qu'un seul fichier, on ne peut pas se planter, on le prend. Puis on passe à Laser Weapon Iron Sights. Donc là, on prend Laser Weapon Iron Sights Gunrunner Arsenal Merged. Puis Plasma Weapon Iron Sights Gunrunner Arsenal Merged. Ensuite, dans les fichiers optionnels, on prend Laser Weapon Iron Sights Recoil Animation. Puis Plasma Weapon Iron Sights Recoil Animation. Puis ensuite, on va chercher Classic Fallout Weapon Remaster. Donc là, on prend juste le fichier principal, donc Classic Fallout Weapon Remaster V1.7, et non pas V1.2 comme c'est marqué là, ou toute version supérieure. Ensuite, on prend Scott Mac Weapon Redone. Donc là, il n'y a qu'un seul fichier, on ne peut pas se planter, on le prend. Puis ensuite, on va chercher Weapons of Our Millennia. Donc là, on prend les deux fichiers principaux, donc le BSA et le plugin. Et on va chercher Fallout 3 Weapons Patch. Puis ensuite, on va chercher Weapons of the Modern Millennia. Donc là, on prend le fichier principal, Weapons of the Modern Millennia. Puis CAWS NSIA Hotfix. Puis Updated FNC Mesh. Et pour finir, Weapons of the Modern Millennia Anniversary and Dispatch. Puis, on va chercher Better Archimedes 2. Donc là, il n'y a qu'un seul fichier, on ne peut pas se planter, on le prend. Donc, une fois que c'est fait, on numérote bien tous les fichiers et on passe à l'installation des mods. Donc, à tout de suite. Bien, donc on se retrouve pour l'installation des mods. Donc, pour commencer, on prend tous les fichiers qu'on a téléchargés, on le fait glisser dans l'onglet téléchargement. Puis, on crée un nouveau séparateur. On va appeler arme. Donc, on va commencer par main 1.3. Donc, on prend le nom. Puis, on le fusionne avec l'autre. On peut activer. Ensuite, Fallout 3 Weapons Restoration. Donc, puis, on l'installe. Ensuite, Cloud Grenade, on l'installe aussi. Puis, Laser Weapon Iron Sight, donc lui, on prend le nom. On vire ce meta-point qui ne nous sert à rien. Ensuite, Plasma Weapon. Là, on fusionne avec l'autre. On vire aussi le meta-point. Donc ensuite, Laser Weapon Animation. Là, pareil. On vire le meta-point, on fusionne avec l'autre. Et lui, c'est la même chanson. Voilà, on fusionne. Ensuite, Classic Fallout Weapon Remaster. Donc lui, on l'installe. Ensuite, Scott Mac Weapon Raiden. Puis, Weapons of Our Millennia. Lui on prend le nom. Lui, on fusionne avec l'autre. Pareil pour le weapon patch. Ensuite, on installe Weapons of the Modern Millennia. Donc lui, on prend le nom. J'ai dit, on prend le nom. Voilà. Ensuite, c'est AWS. On fusionne avec l'autre. Puis, Updated FNC Mesh. On fusionne aussi.
Puis le Anniversary Anim Patch, la même. On fusionne. On peut activer ensuite Better Archimède 2. Voilà. Donc, maintenant, on peut aller dans les armes. On sélectionne tout. Et on met ça en dessous de l'environnement. Puis, on peut virer tout ça vu qu'on n'en a plus besoin. Ah, on vérifie que ça s'est bien installé. Donc là, je sais qu'il va y avoir du nettoyage à faire. Ah, sur le Fallout 3 Open Restoration. Donc il nous a trouvé 3 items et une Form ID Remove. Donc, du coup, on va déjà commencer par nettoyer le plugin. Donc, FO3, Weapon Restoration. Bien sûr, je n'ai pas précisé, mais on lance le Quick Auto Clean. Donc, on vérifie que ça nous a bien viré le message. Voilà, donc du coup, il ne reste plus que ce format ID là à virer. Donc, là, cette fois, on démarre le FNV Edit normal. On charge tout. Ok, donc là il a terminé. Donc alors dans Form ID, on va recopier la Form ID qui se trouve là. Donc, du coup 001543 001543 E3. On va fixer bien ça, 001543 E3, donc c'est bon. Donc on appuie sur Entrée, il nous trouve la Form ID et c'est dans FO3 Weapon Restoration qu'on doit le virer. Donc il est là, FO3 Weapon Restoration.esp. Donc clic droit dessus, Remove. Yes, I'm absolutely sure. Là, il nous demande si on veut le supprimer. On lui répond oui. Et voilà. Donc ensuite, on peut fermer FNV Edit. On peut fermer Loot. Un petit refresh parce que ça lui fait pas de mal. On relance Loot. Voilà. Donc là, le message a disparu. Donc maintenant, on peut décocher Masquer et Plugin sans message. Descendre tout en bas et faire nos hashtags. Donc alors, le hashtag patchy est là. Et il n'y a que lui à faire. Donc on va dans nos hashtags. Non, ça c'est le bash et patch. Hop, voilà. Ça, c'est ce que je voulais. Donc, tac, lui, copier le nom du plugin. On connaît la chanson à force. Ou document texte. On vire l'extension. Hop. Puis, copier le contenu de la carte. Coller. On vire tout, sauf ce qui est les hashtags. Voilà. On sauvegarde, on ferme. Donc là, ça, c'est fait. Donc on peut remettre masquer les plugins sans message. Hop. On ferme, on ferme, on refresh. On relance Loot. On trie les plugins. On applique. Et on peut fermer. Donc ensuite, on va traduire un peu tous les modes. Donc Main V1.3, il n'y a rien. Bah, il y en a un là, Fallout 3 Open Restoration. Donc là, vous connaissez la chanson. On lance la trad. On garde le nom, on enregistre. Et on passe à la suite. Donc moi, je vous retrouve une fois que je les ai tous faits. Allez, à tout de suite. Voilà, c'est traduit. Donc, maintenant, on peut lancer le rebash. Ok, je sais pas pourquoi tu fais lancer en fond, mais si tu veux.
Donc rebuild patch, il va nous réactiver celui-là, on est d'accord. Hop. Voilà, elle a terminé. Donc on peut fermer tout ça. Et lancer le jeu, voir si tout fonctionne. Et dire si un lourd ça veut bien se charger. Du coup, le sprint qui fonctionne. Ouais, un loot comme arme. Espérons que le son du jeu soit pas trop fort. Quand même, qu'il n'y ait pas une arme. J'ai pas l'impression. Ah non. Oh, en tout cas, déjà, ça crache pas, c'est ça qui est bien. Moi, je vais essayer de continuer à tester. Donc tout ce qu'on va faire, c'est arrêter cet épisode-là. Donc à la prochaine. Salut à tous.